Bon, là, on parlait du domaine agricole. Bon, on m'a intervenu sur le domaine ça pour me dire que c'est important, agriculture pour tout pays, quel que soit le pays, il y a, on connaît que on va quand même vendre dans l'autre pays, il faut que l'on produise une certaine quantité pour être capable de répondre à besoins de la population. Problème qui vient en Haïti, bon, on va faire comparaison, dans les années 80, depuis des années 80 plutôt, Haïti, c'est un pays qui était autosuffisant sur le plan alimentaire. Ça veut dire que nous avons produit quantité de manger que nous sommes capables de manger. Et laisse à tout, pas oublier que quantité de monde nous avons gagné, selon toutes les statistiques, nous avons environ 3 millions qui étaient oscillés vers 4-5 millions selon les statistiques, les données disponibles. Mais nous connaissons en Haïti qui a un niveau de développement comment l'étayer et jusqu'à présent comment elle toujours y est. Là, moi, je ne suis pas tellement fier de chiffres. Mais qu'on a, parlé de un pays qui gagnait 12 millions d'habitants, 12 millions de bouches à nourrir. Lorsque tout le monde sait, alors, toute technique agricole qu'on a développée longtemps, il faut adapter et évoluer. Et nous-mêmes en Haïti, il n'a pas évolué. Et ensuite, l'agriculture n'est pas rentable. Donc, on est depuis la fin des années 80, Haïti est rentré sur le marché international. Là, pour faire partie du grand secteur, ça veut dire que si la libre, fasse participer dans le libre-échange, ça faut être très compétitif pour capable faire face avec produits qui sont moins chers qui sortent dans le pays étranger. Bon, là encore, Haïti pas kembe kaple, il pas arrivé et adapté. Et l'autre bagage encore en Haïti, nous qu'on est en Haïti son pays qui sont accès à la terre et qui sont foncier son bagage qui toujours bail tête fait mal. En Haïti, faut que nous repenser système agraire là en général, nous plusieurs dire repenser même pas dire réforme agraire. Bon, nous réforme agraire rentrer là dans tout bagage, refonder système agraire plutôt, si n'a refonder le fond qu'on est problème de accès à la terre là, faut que ça régler et faut cadastre fonctionner en même temps. Faut gain laboratoire qui t'est qu'on fait recherche agricole, faut que yo refonctionner. M'a parlé de INARA qui c'est Institut National de la Réforme Agraire et aussi département secteur agricole yo qui cap soutenir secteur agricole comme ODVA dans la Tibonite. Faut que yo restructurer yo. C'est comme ça qui cap permettre nous penser qui besoin population en gagnant et pour nous capable répondre à besoin ça, pour nous capable produire ni en quantité ni en qualité. Tout en nous pas poser problème sur la météo sous table, nous devons dire, nous pas investir dans secteur et pourtant n'a privé n'a fait faillite et investissement nous pas jamais rentabilité par rapport à investissement. C'est tout problème ça pour nous gérer et l'autre bagarre encore l'on en production faut qu'on capable faire transformation, faut qu'on investisse dans transformation. Si nous pas investir dans transformation, l'on fait production c'est un perte totale là représenté pour et selon toute statistique donc on est en Haïti plus surtout les pays développés comme Haïti et pas seulement Haïti, c'est 50% de pertes yo enregistré après la récolte. Ça veut dire que faut qu'on investit dans industrie ou bien atelier de transformation pour être capable accompagner secteur A, pour être capable mettre secteur A à la hauteur, pour être capable répondre à besoin population, à création d'emploi, à en général ça relève création de richesse. Et l'autre bagage encore pas et l'écotourisme c'est bagage pour Haïti développer, c'est un mélange entre agriculture et tourisme écologique. Tout ça, nous capables de développer tout ensemble. Parce que en Haïti, il y a des espèces où il y a purement endémiques avec Haïti. Et l'autre bagarre, le microclimat en Haïti, nous caractérisé par des microclimats. Ça veut dire chaque micro-région arrivée en Haïti, où il y a un type de climat et en fonction des types de climat, il y a un type de culture qui est adapté. Et maintenant, si nous quittons la théorie pour nous passer dans la pratique. Pour nous passer dans la pratique, ça signifie que nous avons une population qui souffre, grand goût, il faut nous dire ça, nous n'avons pas besoin de perdre ça. Ça nous besoin maintenant, c'est en urgence. Il faut qu'on solution prenne, premièrement, pour nourrir en urgence, soit c'est pour faire prêt, par contre, soit capable de faire, n'a pas à tout dirigeant. Et deuxièmement, qu'on politique de développement agricole à grande échelle et politique de développement agricole, dit politique de développement agricole, dit une conscience citoyenne qui pour intégrer tout le monde, mettre main en patte là pour investir, pour permettre et population noire arriver, jouer un moyen pour manger. Alors, on ne peut pas dire que industrialisation, on ne peut pas industrialiser le secteur, sinon industrialiser le secteur, ça signifie que nos paquets de paysans qui à vivre toujours, il y a des paysans qui vivent dans le domaine agricole là, ils même ils sont sous chômage.
Et l'autre bagaille encore, nous exporter vétiver, oui, nous exporter l'huile vétiver, c'est vrai, mais l'huile vétiver, vous faites la partie de vétiver, ce qui partie vous prenez en vétiver pour vous faire l'huile là, c'est racine là, et nous connaissons, de pouvoir racher, c'est racine non racher, ça veut dire que, il y a un risque de dégradation de sol. Là encore, faut nous repenser mode de culture yo tout. Tout ça rentre en ligne de compte et aussi nous dit Haïti exporter en pile café, en pile cacao, en pile mango, c'est vrai non nous exporter ça yo. Mais est-ce que yo adapté? Est-ce que quantité exportée yo répond à besoin? Est-ce que verger de mangue nous gagne yo? Est-ce que yo pas vieillissant? Et nous est ça tout cacao, champ café, yo vieillissant, est-ce que gagne emplacement fait? Nous pas connait. Est-ce que nous ta supposé à battre forêt gain yo et faire débrasement pour nous capable planter l'autre cacao. Moi pas quoi c'est ça qui est idéal. C'est juste repenser agriculture non selon les normes de développement durable. Ça aussi faut ne pas jamais oublier ça et pour nous capable joindre nos pays qui prospère et en même temps pays à prospère et génération future yo même yo ka jwenn nou pays bien pour yo vivre et pas oublier nous gen pile bouche à nourrir c'est agriculture de subsistance ça pas rapporter faut nous identifier ou même penser à nouveau modèle pour nous capable nourrir toute population noire en gros c'est ce qu'on dit c'est trois choses pour nous réfléchir sur yo c'est problème accès à la terre là faut gen cadastre faut que ça régulé. Deuxièmement, faut laboratoire qui mène recherche agricole yo, faut qu'il soit fonctionnel et tout département ou bien organisation qui compte bailler agriculture j'arrête dans pays a, faut qu'il mette au fonctionnel avec des personnes compétentes qui pour coordonner yo et qui pour faciliter développement agriculture là en Haïti à grande échelle.